Europe 1, on va se gêner. Doremi Faci. Doremi Faci. Liado. Delgado. Salut Laurent, salut à tous. Salut Serge. Salut Serge. Impeccable. Ah, surtout que le vendredi, là, on est content, on sait que vous venez avec dans votre panier des hallucinations auditives. Ah. Quand je peux, ça prend quand même un peu de temps pour les Serge. Serge, c'est Jean-Marie, je suis allé voir ton truc, là, le lien que tu m'as donné, c'est épatant, hein, c'est sur les hallucinations auditives ou Serge visuelles. Serge Azanavicius et hallucinations. Et hallucinations. Oui, c'est, oui ça démontre que les hallucinations, ben voilà, dans la vie, on est conditionné. C'était dans le magazine Absolument, de la santé. Absolument, oui. C'est vachement intéressant. Et ça explique voilà, il suffit que quelqu'un vous persuade avant. Oui, donnez le lien. Oui, donnez le lien. Ouais. Oui, donnez le lien. Il suffit que quelqu'un vous persuade avant de ce que vous allez voir ou entendre et vous êtes. Et tu es, ouais. Ouais, que ça. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le lien? Je vous l'enverrai, je le mettrai sur le site internet d'Europe 1. Voilà, très bien. Ok, merci. Bon, alors. Très bien. Donc, la livraison d'aujourd'hui. Laurent, oui. Très bien. Très bien. Parce que là j'ai l'impression que tu t'étais arrêté. Oui. Hein? C'est vrai que j'étais un peu ailleurs. Bah, il nous laissait causer un j'étais peu. J'étais en train de penser à mon week-end. Bon, mais justement. Je me demandais ce que j'allais faire à manger demain midi. Des raviolis. Non, non, non. Bon, donc c'est la troisième et dernière livraison des best-of d'hallucinations auditives. Hein, je rappelle que ce sont des phrases qui sont piquées dans des morceaux en général. J'ai envie de pâte au mascarpone. Oh excellent. Bon, qu'est-ce que je fais? Vas-y Serge, continue. Je suis avec toi, moi, je suis avec toi Serge. Donc, je rappelle. Mascarpone épinard. Salaud. Et en entrée, coquille Saint-Jacques. Allez, continue, bon, écoutez, ça donne envie de venir manger chez vous. Alors, donc, les hallucinations auditives, ce sont des avec phrases un bon petit qui Bourgogne. Sont dans des chansons étrangères et dans lesquelles on croit percevoir des phrases en français. Dans sur ce, je vous laisse. Ouais. Non, Serge, j'adore ça, les hallucinations auditives. En entrée. Et, faire... et après, tu prendras quoi? Mais c'est vrai que c'est génial, on croit entendre des choses qu'on n'entend pas. Faire du camping pendant le week-end avec des stars de la pop était au départ une idée amusante, mais on n'avait pas fini de monter les tentes que déjà Elton John se plaignait d'être placé trop près des sanitaires. Ça sent le WC. Ça sent le WC. Sans déconner. Ça sent le WC. Et Alice Cooper a répondu, en tout cas pour ce qui est de l'odeur, ma chienne n'est pas responsable parce qu'elle a fait caca dans la forêt. Hey Sting, qui normalement était chargé des boissons, faisait profil bas. Et les mecs, figurez-vous que j'ai laissé le gin au bateau. Heureusement, les Gypsy Kings avaient prévu le coup. Un camping-car super équipé avec suprême raffinement, une cave à vin. Cave à vin. À 19h, le célèbre comique qui devait assurer le spectacle du soir n'était toujours pas arrivé. Patrick Hernandez se proposa de le remplacer avec une imitation désopilante de Jean-Marie Le Pen. Je suis le borgne. Yes, you were born. Heureusement, le véritable amuseur n'était pas bien loin. Imaginez la joie des concubines de Salif Keita quand elles ont vu sa voiture débouler. Voilà Gad Elmaleh. On a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil ce soir-là. Il faut dire que, dans le silence de la nuit, on entendait la voix de David Bowie. « Prends le contrôle de mes tétons. »« Ground control to major tones. »« Ground control to major tones. » Pas besoin non plus d'être devin pour comprendre que Paul McCartney avait lui aussi de petits ennuis mécaniques. « C'est mou. »« C'est mou. »« C'est mou. » »« C'est mou. » C'est mou. C'est mou. Oh oui. Ah oui. Mais le cas le plus pathétique reste celui de Klaus, chanteur du groupe Scorpion, dont le cri d'angoisse vaut à lui seul une tragédie racinienne. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Ce soir, mais les kick in blue. Ce soir, mais les kick in blue. C'est génial quand même. Hein. Incroyable.
C'est parce que l'intention, quand on change de texte, d'un coup, une intention de rocker comme ça qui ouais. hurle ce soir, c'est extraordinaire. Trois contrôles de mes tétons, c'est génial. Bravo, Serge. Et ça sent le WC, c'est très bien aussi, ouais, Delton ouais. John. Non, franchement, c'est du bon travail. Je sais que vous l'avez. Oui, vous voulez que je vous dise, vous la méritez, votre place. Oh, merci. Non, vous, Paul Vermus et Monique Pantel, un jour, on vous autorisera à sortir de votre appartement. Ah oui, c'est mon papa et ma maman, Vermus. Allez, on vous embrasse. Salut.